Dacă du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous. Donc... Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You can sit down. Mais, je vous dis encore bonjour, bienvenue dans moi, je suis reconnaissant à Dieu pour deux semaines qui ont été passées au milieu de vous. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné le privilège d'assister à deux cultes avec vous. To be here for two services. Au moment de vous séparer, un petit mot d'exhortation de la part du Seigneur. You share with me a word from the Lord. Les gens, les bien-aimés, qui se disent au revoir. Like people saying goodbye to each other. Et quelque part, vous allez aussi me bénir. And also, you also bless me. Mais d'après ce que le bishop, le pasteur a dit, according to what the pastor said, il est le bishop de cette maison. Il est le bishop. Je crois qu'il y a un hasard au milieu de nous. Est-ce qu'il y a un hasard? Oh, il y a un hasard aussi comme ça. Qui s'appelle Lazare? Who's called Lazarus here? Personne. No one. Qui veut être Lazare? Who wants to be Lazarus? Ma soeur, vous avez... Vous pouvez lever la main si vous... Can you raise your hand? If you want to be Lazarus. Lazare! Oui. Alléluia. Il y a quelques Lazare dans la maison. Je vais dire à ces Lazare que vous êtes en transition. Transition. Que vous étiez malade comme Lazare. Mais ça, mon ami, était pour la gloire. Que vous étiez bon comme Lazare. You were dead, like mais que sa mort était pour la gloire. Que vous étiez même enterré comme Lazare. Mais son enterrement était pour la gloire. Vous étiez ressuscité comme Lazare, mais ça ne se réconcilie pas à l'homme de Dieu. C'est comme le bishop a dit, Lazare est devenu un instrument. Dieu l'a utilisé pour le réveil. Vous avez vu combien de gens venaient. Ils ne venaient pas pour voir Jésus, mais ils venaient pour voir Lazare qui a fait ressusciter la mort. Celui que Dieu aide. Accompagne-les dans cette transition afin qu'eux aussi puissent être des catalyseurs, des instruments de réveil dans cette ville, dans cette église locale. Sois béni, Père, pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire en français. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Je ne dis pas qu'il manque ces choses-là. Mais que c'est d'accord. Est-ce que vous pourriez vous accorder avec moi et vous prier pour un pasteur afin que ce verset s'accomplisse. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons vous tourner. Nous allons prendre des moments à 30 secondes. Quand nous allons avoir que 30 secondes pour déclarer ce verset, pour libérer ce verset, pour nous accorder, demander à Dieu qu'il accorde à son serviteur un cœur intelligent, un discernement.
bouge pour conduire le peuple de Dieu. Prions après le roi. Seigneur, nous libérons ta parole. Nous libérons cette parole au Dieu. Merci, Papa. Ta parole est fondée au ciel. Depuis l'éternité, nous libérons cette parole pour le serviteur de Dieu qui est là. Le ministre que tu as établi sur cette maison, les électeurs. Donne-lui comme sa parole. Apporte donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait conduire ce peuple? Ce peuple est nombreux. Et nous savons par la foi qu'il y a un peuple nombreux. Que les portes sont ouvertes. Que les temples sont en train de s'élargir pour accueillir un peuple nombreux ici à Londres. Esprit avec corps, oh Dieu, et que tout ce qui, toute âme forgée contre lui soit sans effet, et que toute langue qui se lève en accusation contre lui, nous en tant qu'Église, nous la condamnons. Merci, Papa, de l'utiliser, de la fermir et de l'élever, afin qu'il puisse conduire ton peuple vers son destin. C'est le conseil de Jethro, et ce conseil, nous l'appliquons aussi à ces Moïse que tu as établi sur cette maison. Nous te bénissons et nous te faisons confiance dans les noms de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen.